Et salut, c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Donc je viens aujourd'hui pour une petite vidéo remerciement et je finirai après cette vidéo par donc une mini un montage photo en fait de mes dernières créations en parure de bijoux, alors que ça soit en espresso ou en perles, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que ceux qui ont la chance de partir, ben voilà, profitez un maximum pour vous reposer, pour être en forme à la rentrée. Ceux qui ne partent pas en vacances, ben écoutez, profitez du soleil, faire des balades, des fois à côté de chez soi, on a souvent beaucoup d'endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, où on ne pense pas forcément et qui sont vraiment très très bien. Inutile d'aller forcément très loin pour profiter de ces vacances. Donc bah, écoutez, moi je vous conseille de faire un tour autour de chez vous. Vous verrez que vous pouvez trouver des trucs très 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 sympas. Voilà, et bien écoutez, en tout cas profitez bien, reposez-vous bien, c'est bientôt la rentrée, il n'y a plus que, je veux pas casser le moral, mais allez, un petit mois, 30 jours avant la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants. Donc voilà, profitez bien un maximum, il fait très très chaud. Alors oui, vous me voyez avec une veste, mais bon, moi à la maison, il y a la clim. Et puis quand on est assis dans un bureau en train de scraper, on n'a pas forcément aussi chaud que quand on est dehors ou quand on bouge. Donc voilà. Et puis je suis une frileuse aussi, on va dire un petit peu. Je suis un petit peu une frileuse. Donc voilà. Donc alors déjà j'avais dit donc je faisais cette vidéo pour vous remercier toutes et tous. Ça y est, ma chaîne a pas tout à fait 5 mois encore et je viens de passer la barre des 50 abonnés. Donc j'en ai même 52. Donc merci, un grand merci à vous tous, ceux qui me suivent, ceux qui commentent, ceux qui s'abonnent et qui passent que par là et qui s'abonnent quand même. Donc j'espère que mon contenu vous plaît, que je vous ai. Je peux pas dire que je vous apprenne grand-chose parce que j'apprends moi-même encore beaucoup de choses. Mais voilà, donc moi ça me fait plaisir en tout cas de temps en temps de pouvoir vous faire une vidéo. Alors c'est vrai que juillet-août c'est un peu plus compliqué, on a un petit peu plus de mal à trouver donc le temps, la motivation et l'envie. Enfin l'envie, je l'ai toujours l'envie de faire des vidéos, c'est pas le problème, c'est beaucoup le temps et voilà la motivation parce qu'il fait chaud et que ben, souvent on a plus envie de profiter des vacances et tout ça que d'être enfermé dans un local en train de faire des créations. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie bien. Alors j'avais dit il y a quelque temps, début juin, j'avais proposé un échange de création donc avant mes 50 abonnés. Donc maintenant on y est, on est à 52 abonnés. Donc comme je disais, donc je réitère ma demande. Alors c'est vrai que bon là, pendant le mois d'août, ça va être un petit peu compliqué. Mais si vous êtes intéressé d'ici la rentrée, bah, écoutez, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Donc je répète et puis je remettrai en barre d'infos sur creabilou@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail en disant que vous êtes intéressé par un échange de création. Donc au mois de juin, j'en avais reparlé, mais si vraiment vous êtes intéressé, je referai une vidéo vraiment qu'à ce sujet-là. Là, la dernière fois, je n'avais pas eu trop de retours, mais bon, en même temps, juillet-août, voilà, c'est compréhensible. Donc on verra ça à la rentrée. Je reproposerai ma proposition d'échange de création en tout genre. Donc voilà, donc en tout cas, je tenais vraiment, vraiment à vous remercier à tous ces abonnés. Merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Voilà, alors sur ce, je vais vous passer à la vidéo de mes créations. Désolée pour les montages photos, voilà, c'est pas terrible, je suis pas une pro, surtout que je fais avec mon téléphone.
Et puis se prendre en photo soi-même avec un miroir, c'est pas forcément évident. Je crois qu'il y a vraiment que les gens et ceux qui sont forts en Snap et en Instagram qui arrivent. Ou les jeunes, en tout cas, moi je vois ma fille, elle maîtrise le domaine. Moi je maîtrise pas trop, donc désolée pour les photos. En tout cas, je me suis éclatée à faire ces créations. Donc je vous ai dit, il y a une parure qui est faite avec des capsules Nespresso, donc j'apprends encore. Voilà. Donc elles sont nettoyées. Donc merci Sylvain, si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo, merci parce que celle-ci, c'est toi qui me les as fournies. Donc elles sont nettoyées, il n'y a plus qu'à les faire. Donc voilà, donc j'apprends encore, je ne maîtrise pas encore trop la chose. En tout cas, vous allez en voir une donc sur les tons un peu savane, marron, orangé et noir et gris. Donc celle-là, c'était Bruno qui m'avait fourni la capsule de Vertuo. Donc celle-là, c'est pas les mêmes, c'est des capsules Nespresso normales. Donc, et tout le reste, tous les autres, elles sont faites avec des perles Action basiques, quoi. Mais bon, moi, je dis que des fois, voilà, on ne sait pas forcément quoi mettre avec notre tenue, ne serait-ce que pour aller faire juste un tour ou quand on était invité. Alors, c'est sûr que bon, ça vaut pas, voilà, toutes les grandes parures de grandes marques. Mais en attendant, bah, ça fait un ensemble assez sympathique pour accorder à nos tenues. Voilà, donc j'arrête de blablater parce que sinon je pourrais rester 3 heures. Je vous mets la vidéo et puis je vous dis encore un grand merci. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!